Échec de l'embuscade, vraiment. Et c'est Aîné lui-même qui vient cette fois. Bah ok. Par contre, je vais prendre la victoire décisive. Aîné, on l'a déjà affronté. Avec Achille. Donc... Et on a réussi une percée en plein... En plein territoire troyen. GG. Alors voyons voir, qu'est-ce que j'ai ici pour le moment. Raser ou mettez à sac deux colonies différentes appartenant à la tribu suivante, pelage. Ah mais c'est parce que c'est pas des pelages. C'est pour ça... C'est parce que c'est pas des pelages. Et c'est pas grave. Je préfère encore raser tout ça. Excusez-moi, j'interviens à nouveau du coup. Petite intervention. Hop. Bloquer. Bannir. Bannir. Hop. Voilà. Très bien. Je suis désolé, hein, évidemment, on a ce compte qui va nous embêter un petit peu toute la soirée. C'est sûrement un truc fait par quelqu'un qui a jamais percé sur Twitch comme des tonnes de gens, mais qui lui ne l'a pas supporté mentalement, psychologiquement. Parce qu'on a toujours besoin de plus de grands malades. Petite hécatombe à Hera, protectrice du foyer, voilà, bam, niveau de culte en hausse. On arrive à côté d'Imbrassos. Bring
them down. Death or glory. We'll make slaves of them. War makes the man. We will claim victory. Nickel. Statue d'Achille, peut-être pas non plus, quoi, mais... Est-ce qu'il est de retour, mon perso là? Pointe encore, hein. Patrocle. Patrocle, il est de retour dans 2 tours. Deux tours et j'ai mon Patrocle. Ah oui, on est en guerre contre tout ça quand même. Pas des gens qui veulent faire la paix là dans les environs? Putain, mais les traces, ça va tellement être chelou, quoi. Enfin, chelou, je sais pas, relou, oui, ça c'est une certitude. Mais... Alors, Alcimédon, qu'est-ce que je peux lui donner? Ok. Crayon. Ajax le Petit. Alors le truc c'est qu'il y a les pélages qui sont juste ici et en fait le problème c'est qu'on a notre garnison qui est en train à peine de se refaire. Donc si c'est pour avoir à peine de quoi, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Faudrait étudier un petit peu les situations diplomatiques de nos voisins pélages. Donc les pélages des G, ils sont en guerre contre la Mysie et les Phrygiens d'Ascanie. Ah, d'accord. D'accord. Donc là, il faudrait littéralement faire tomber Proconèse. Et parce que ce qui est chiant, en fait, c'est qu'il y a ici des espèces d'empires à la con. Enfin, d'empires à la con de... De cités à la con, en tout cas. Et comme c'est des royaumes qui veulent absolument pas faire la paix avec nous, ben... C'est un peu chiant. Juste un peu. Phrygien d'Ascanie, Terreia, ok. Allez,
Les PLHDG, ils ont quand même pas mal de troupes. Hein. Échange ponctuel, 2332 contre 297 d'or. Ok. Non mais sérieux, quoi. Il est sérieux, il est. Ah, ça me dégoûte, ça. Tu vois, encore une fois, là, mais c'est... C'est claqué au sol, quoi. C'est... Vrai, c'est pas bien, quoi. On est parti... On est parti depuis je sais pas combien de temps. Le mec, on fait des échanges. Et du coup, il nous attaque. C'est vraiment très barbant. Je peux même pas dire que c'est que y a du fun et que c'est même pas du bon challenge en fait. L'ennemi reçoit des renforts. Genre vraiment. Faut arrêter ça tout de suite. Bon, ils arrivent, ils sont déjà bien fatigués. Je vais même pas regarder s'il avait des tireurs. Je crois pas qu'il ait de tireurs. Donc on peut se mettre en position déjà direct. Non, non, non. Ok. Alors on fait ça parce que comme ça ils perdent en défense en mêlée et en armure. Donc sous les tirs ça va être beaucoup plus chiant pour eux. Puisque eux, ils ont beaucoup d'armure. La défense en mêlée encore Osef. Hein, mais... Tu fais des lives ce week-end ou pas? Dimanche, oui. On sera sur Assassin's Creed. Samedi, c'est vraiment pas sûr.
On va peut-être encore attendre un petit peu, hein, vu le monde qui arrive. On va essayer de le mettre juste un petit peu sur le côté. Essayer d'envoyer comme ça. Hein. Quoi ça? Colère de Zeus, moins 50% d'armure. Ah ouais. Qui on va finalement tirer de ce côté. Une de vos unités n'a plus de munitions. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. Tellement relou.
C'est Milo. D'accord, pas de soucis Milo. J'y arrive pas, hein. Je vais pas réussir à les faire dégager. Non. Et ça hard push, hein, évidemment, ça hard push de ouf. Là-bas, ça fuit. Pas le laisser s'en sortir en tout cas. Il lui reste combien de PV là? 249? Allez bim. Le héros ennemi à ses côtés. Ok, ça a fonctionné. Ça aura bien tenu, hein, cette ville, pour le coup. J'y croyais pas trop, mais on l'a fait. À se battre dans les bégonias, apparemment oui.
Tiens, on va essayer d'arroser les troupes qui sont juste ici. Ça se passe toujours aussi bien pour le moment, le combat là. Allez, il va falloir tenir. Sérieux là? C'est quoi ça? D'accord, c'est son pouvoir divin, il l'active comme il veut. Quand il veut, s'il veut. Allez, on vient les chercher là sur les arrières. Pas l'autorisation de le courser et de le buter. Oh, il est, du coup je vais le pourfendre ici. Chaud hein, quand même. Chaud la vidéo, il est. Être venu se faire rectifier ici. Ça doit lui casser les couilles. Ah bah voilà. Eh ben yes. Merci Hera. Le héros ennemi a été blessé. Excellent. J'ai besoin d'un café. Je sais pas vous, mais moi j'ai bien besoin d'un café. Victoire héroïque, hein. Il lui reste que ça? Non, déconne. Motivation au seuil critique, comment ça? Pourquoi? Ah d'accord. Et que Aphrodite est respectée par votre faction. Ah oui, bah Aphrodite, il faudrait... Ouais, il faudrait y penser un peu. Oui, du coup, forcément, ouais. Ok, je comprends mieux. Voilà, il va retourner dans une région où la population est positive. Oh, je peux avoir des... D'accord. Ok. J'en connais deux qui vont refaire équipe.
deeds await. Show no fear. Alors. Donc ouais, là, mon problème, c'est eux. Lui, il fait que la garnison soit pas folle. Bah, du coup, pas trop le choix, hein. Un tour, Patrocle, ok. À défaut de pouvoir faire revenir Patrocle, on va relancer les troupes dans cette zone. Alors, il y a donc Aphrodite qu'il faut se mettre dans la poche. Ça, c'est un hôtel d'Héra. Donc, hôtel d'Aphrodite. Qu'est-ce que j'ai encore ici? Ça, c'est du Héphaïstos. Petit coup pour Papa Zeus. On va faire un culte à un hôtel d'Aphrodite ici, tranquille. Y a pas d'autres zones où je pourrais faire des cultes? Là, déjà, on va faire aussi un peu d'or. Ce sera pas trop mal. Les miniens sont prêts à faire la paix, mais en même temps on vient de les écraser dans une bataille, donc tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'on a? On a Créon. Qui d'autre on a? Dolon, il en est où là sur Ismara? L'influence Akienne, elle a bien été apportée.
Ok. Bon, voilà. Alors, on a un niveau de culte en hausse pour Aphrodite, donc ce qui est cool. Patrocle est de nouveau prêt à arriver. Achoum, j'ai envie d'être... Oh, pardon. I'll prove myself. Très bien. Ah oui, bien sûr. Commander of Myrmidons. Double time. We'll stay here a while. Dardanos, ça serait relou à prendre. Lui, je peux l'attaquer directement, Sarpedon, donc on va le faire. J'ai 19 troupes. Il en a 16. Il les aime bien ces foutues troupes du Griffon. Hein. Allez, victoire de justesse. Ça, je prends. Enslave them. All hands. Born for war. Du coup, on pourrait peut-être en profiter pour attaquer Priap et la prendre, mais le problème, c'est que sa loyauté, elle est encore trop faible. Donc, on va se replier. Ah là 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 là, je suis bloqué au nord en Thrace, c'est pas aujourd'hui que je vais la finir cette campagne. Sérieux? À l'aide. I'll see them off. Send them packing. Voilà, tire-toi. C'est parfait, ça, ça dégage et ça, ça dégage. Quoique non, on va peut-être la garder, ça. C'est quoi cette armée là? Je sais pas pourquoi elle est là. Je sais pas pourquoi il fait ça, lui. Ah si, je sais pourquoi, mais. Vu comme on va bientôt l'écraser, il aura pas trop le choix. Du coup, je vais recruter à nouveau Patrocle, à qui je vais accorder également un agent épique qui sera Marinos. Student of Hephaestus. I'll do it right. Et voyons voir. Alright. Salut Wall of Braze.
va attendre un petit peu. Ah non, sérieux. Alors, du coup, directement, excusez-moi, hein, on se reprend évidemment comme d'habitude. Hop. Le bloquer, le signaler ailleurs, suivant, sur Twitch. Putain, qu'est-ce que c'est chiant. Merci Twitch, hein, évidemment, de ne surtout pas avoir fait quelque chose pour ça. Vous êtes au courant de ce problème depuis des plombes. Ça fait des mois qu'on les prévient. Et évidemment, en ce moment, bah, j'ai pas de modo.